Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Bus. Nouveau trajet aujourd'hui, donc je suis en compagnie du micro que je vous ai unboxé hier. Donc ce micro, je le garde jusqu'à demain, jusqu'à vendredi. Bah vendredi, je veux dire. Mon collègue me le laisse jusqu'à vendredi, parce que c'est son micro, il me l'a prêté pour que je puisse faire des essais. Donc comme ça, moi je me rends compte par rapport à un micro comme ça, si ça vaut plus le coup que d'acheter d'utiliser mon casque. Donc je pense qu'au long terme, je voudrais m'acheter un micro, mais pour l'instant, voilà, je sais pas dans mes projets. Mais ce sera prochainement, peut-être vers le mois de juin, mois de juillet. J'achèterai un nouveau micro, j'ai vu un micro pas mal. Donc ce micro-là, en fait, petite erreur que j'ai faite dans ma vidéo, unboxing, le micro, il l'a payé 30 euros. Il était en promotion au lieu de 60 euros. Donc avec le bras et le micro. Donc franchement, très bonne qualité. Donc je vais lancer mon trajet. Départ, c'est parti. Donc on va présenter la ligne 585, parce que la 583, il n'y a qu'un arrêt. Donc ça ne vaut pas le coup de la présenter. Donc je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Du coup, oui, je vais prendre ma manette et on va y aller ensemble. Alors, j'espère que je vais pas avoir de bug. Je vais faire juste une petite miniature tout de suite. Pas une miniature, une petite photo. Pour une miniature, hop. Il y a du monde qui arrive. Ouais, je vais faire toute ma miniature. Par contre, c'est chiant, c'est pas comme fin de bus. C'est pas pareil que fin de bus, donc c'est chiant, je trouve. On va faire une petite photo comme ça. Voilà, tac, ça c'est bon. On va y aller. C'est parti, on peut y aller. On va démarrer le petit camion, le petit bus. J'espère que ça va pas déconner cette fois-ci. J'appuie sur I pour démarrer. Parce que hier, j'avais pas de clavier hier, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Là. Voilà, ça fonctionne, ça c'est bon. Voilà, du coup, on va faire démarrer. Donc c'est le code, c'est 3910. Validé. Ligne 585. Et c'est tour 04. Hop, validé. Voilà, c'est bon. Hop, on va pouvoir y aller. On va reprendre le volant. Mais par contre, il faut que je mette ma caméra. Voilà, hop, on va démarrer le voyage. J'attends que tout le monde monte. Et on est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le micro. Je vais essayer de me caler le métro le mieux possible. Donc là, je suis bien normalement. Micro comme on va mettre comme ça le micro. Donc vous me direz de votre côté si vous préférez. Pourquoi je peux pas avancer moi? Les portes? Hein? La porte là elle est pas fermée? Attendez. Ah oui? Pourquoi je peux pas avancer? Désactiver l'accès au road clothes, c'est quoi ça? Ah, mais tu peux qu'il y a encore un bug! Je peux pas avancer! C'est quoi ce bordel? Ah, il y a le frein peut-être? Ah, je peux pas avancer! Ah, il y a peut-être un bug! Attendez! Bon, je vais. Ah, mais c'est chiant ce jeu! Il y a tout le temps des bugs de ce jeu, tout le temps, tout le temps! Option. Non, le volant est reconnu pourtant le volant. C'est bizarre que ça veut pas. Attendez. Elle est où ma souris? Elle est là. Frein accéléré, bah oui, accéléré. Ajouter une touche. Ah oui, ça fonctionne. Il y a un truc qui est bizarre. Bah il me dit désactiver l'accès à la porte. Quelle porte? Bah. C'est quoi ce bordel? Le truc qui est bizarre, ça fonctionne pas. Bon, je vais requitter le jeu. Ah, mais c'est vraiment chiant. Je vais requitter le jeu, relancer. Parce que. Pas quitter le jeu, mais quitter le trajet, relancer. Parce qu'à mon avis, j'ai un bug. Alors, on va relancer. Hop, avec le même bus VDL CTE et le 127 3D, j'avais pris. Pourquoi j'ai pris le 2-2? C'est le 3D que je voulais, moi. Ah non, 127 2D, non, c'est bon ça. Le trajet 385. En espérant que le temps va rester pareil. Ça paraît bizarre que ça fonctionne pas. On va redémarrer. On y va, parce que là, je sais pas ce qui se passe. Hop, on va démarrer le bus. Voilà, démarrer l'ordinateur. Hop, F5. J'ai pas accès à la souris là.
Ah, mais y a un truc qui fait chier là. Allez. Hop, je vais reprendre le volant. Voilà, ça c'est bon. Allez, ma souris, moi, pourquoi j'ai pas ma souris là? 5. Ah, j'ai plus ma souris. C'est quoi ce bug de merde? Putain, il commence à me gaver le jeu, franchement. Pourquoi j'ai ça avec la souris? Attendez, je vais changer ça. Option. Allô, la souris? Souris. Pourquoi j'ai un bouton pour freiner, accélérer, moi? Supprimer. 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 Pourquoi il n'y a pas un truc avec la souris? Non, c'est bon, normalement. Manette de jeu, pareil. Manette de jeu, je vais aussi l'enlever. Mais non, la manette de jeu, c'est bon, normalement. Hop, on va faire retour. Attends. Appliquer. Voilà, c'est bon. Ça fait plus. Donc, désolé, hein, franchement, ça m'énerve. 39, 51. Validé. 585. Trajet 4. Validé. Voilà, normalement, ça va être bon, là, normalement, cette fois-ci. Hop. Je vais remettre en vue normale. Je vais. Ouvrir la porte, les gens vont pouvoir monter. Normalement, c'est le vrai marché cette fois-ci. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai des bugs comme ça sur le jeu. Excusez-moi. On a des bugs sur le jeu, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai pas vu l'annexe, elle était longue ou pas. À faire. Oh, ça va, c'est une petite ligne. Regardez. C'est une toute petite ligne. Oh, bah, ça va être agréable ça. Comme ça, vous pouvez voir vous apercevoir des bugs du jeu. J'espère que ça marche si j'accélère. Ah voilà, là ça fonctionne. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait pas. C'est vraiment pénible ces bugs là. Donc là, on n'a pas grand trajet à faire normalement. C'est vraiment une petite ligne. Peut-être faire la prochaine ligne aussitôt en vidéo, comme ça je serai tranquille. Mais franchement, merci à Florian de m'avoir prêté son micro. Donc lui, comme je vous dis, il a acheté un micro 30 euros. Mais comme il m'a dit, il va pas le garder, il va le revendre. Donc il voulait le revendre 30 euros le volant, mais moi je dis ouais, mais moi je suis intéressé par le Fifine et pour l'instant j'ai pas les finances. Bah je pars en vacances là prochainement, donc voilà, je préfère garder des sous pour les vacances que m'acheter un micro. Après le micro, je les trouve bien, hein. Mais j'attends, je préfère investir dans le Fifine. Donc voilà. Donc vous me direz ce que vous préférez au niveau son micro, si vous préférez mon casque que j'utilise d'habitude. Ou ce nouveau micro perche, voilà. Pas micro perche, mais micro avec un bras articulé. Donc sur le micro, c'est quand même écrit Microphone Studio, professionnel. Donc il est vraiment, vraiment de bonne qualité quand même. Il est quand même de bonne qualité. Donc vous me direz quel micro vous préférez, quoi. C'est parti. Donc cette vidéo là sortira demain je crois. Je crois que c'est demain celle-là. Non, pas demain, vendredi. Non, celle-là sortira vendredi du coup. Moi, on est jeudi. Nächste Haltestelle, Mutterstadt, West, Heine Straße. Touché, je sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai touché. Donc ça me fait bizarre de pas avoir mon micro branché là. Ça me fait bizarre quand même. De pas avoir mon micro qui gêne là. Bah qui gêne. Ça gênait pas tant que ça, hein, franchement, micro. C'est pas le truc qui gêne. Alors j'espère que les PNJ vont pas être idiots. Bon, ça va. C'est pas si idiot que ça.
D'accord, ok. C'est ici. Ah, il y a une voiture, il y a un camion qui arrive. Ah, là, il y a du monde par rapport à ma vidéo de que j'ai faite mardi. Il y a du monde. Non, mercredi, parce que ma vidéo elle arrive aujourd'hui, ma vidéo de The Bus. Combien de décalage avec mes vidéos? Bon, ma vidéo de The Bus arrive aujourd'hui. Hi. Bonjour. Moin. Bonjour. J'espère que je suis pas trop loin au niveau du micro. Oh merde, qu'est-ce qu'il me fait lui? Tu vois pas que c'est, je suis un bus moi? C'est vrai que les voix, c'est le petit bémol que je pourrais dire par rapport à cette map, c'est que les voix sont trop petites. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voyez les voix par rapport à un bus et une voiture. C'est vraiment serré. Bon, ça vibre à mort. Par contre, le micro, ça fait pas trop vibrer, ça va encore. Alors, je sais pas si vous allez bien entendre le. Quand le micro était plus sensible, je sais pas si vous allez entendre beaucoup de volant. J'ai pas testé avant. Mais je pense que la position du volant, du micro, c'est vraiment bien. Alors après, je sais pas si je pourrais le mettre là-bas. Je me demande si c'est pas trop loin si je le mets là-bas. Je pense qu'il peut passer avec le pied. Vous voyez, mettre le bras là-bas. Parce que là, j'ai mon bureau là. Mais je pourrais le décaler là. Comme ça, le replier quand je m'en sers pas. C'est ce que je veux dire. Mais je sais pas si je pourrais, je sais pas, oui, avec le bras, il est quand même assez long. Ça devrait le faire, normalement. Je pense que je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Ce sera plus simple, peut-être, pour moi. Comme ça, j'aurai le micro plus par là, au fait. Donc, à tester, je testerai quand j'aurai le nouveau micro. Fifine, je pense que je l'aurai vers le mois de juin, le volant. Je vous ferai une vidéo unboxing, pareil. Vidéo unboxing plus présentation du micro. Mais voilà, franchement, on verra bien, mais ce sera pas tout de suite, quoi, ce sera pas... J'essaierai de l'avoir pour le mois de juin. Tu auras peut-être des soldes au mois de juin. Pour l'avoir un peu moins cher. Parce que moi, je sais que la dernière fois que je l'ai vu sur Amazon, il était à 45 euros le micro, donc ça vaut le coup quand même. 45 au lieu de 60 balles, ça vous fait quand même gagner 45 euros, quoi. Wow. Ouf, ça vibre. Je pense que je vais capturer tout de suite ma seconde vidéo. Comme la vidéo est. La petite ligne est courte. Je pense que je vais préparer tout de suite ma prochaine vidéo. Tout de suite quand ça sera fait. Ma vidéo pour samedi. Oui c'est ça, ouais, samedi. Je suis trompé de sens du micro. C'est bien tourné là. Voilà, c'est bon, ça passe. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre dans le micro. Je sais pas si le micro est plus sensible hein, par rapport à mon volant. Ah, par contre, là, il y a. Ah oui, mais lui, il est un peu taré, lui. Oh, mais là, comment je fais pour y aller, moi? Les voitures qui arrivent des deux sens. J'essaie d'y aller tout de suite. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il peut. D'accord, ok. J'ai pas vu que c'est une voiture stationnée. Je pensais que c'était une voiture qui était stationnée, la voiture blanche, mais non. C'est une voiture qui attendait. D'accord, ok. Donc c'est bien la petite résidence par là. Les belles petites maisons. Par contre, là, mon ami, tu. Ah. Bon, ça va. Ouah, je pensais que ça passait pas. Tu vas devoir attendre mon petit ami. Oh bah là lui il s'est mis devant moi. Y'a personne qui monte. Bah non. Personne monte. Bah, par contre là t'es pas malin toi. T'es pas très malin mec. Hein. Je vais le montrer sur le trottoir pour pouvoir passer.
Donc là, il y a un petit rond-point. Je pense que je peux y aller, ouais. Ah, il tourne. Ah, il me laisse passer. Merci. Ouais, il me laisse passer, il me coupe la route. On essaie de bien prendre les virages, bien conduire trop correctement. C'est vrai que c'est quand même un jeu qui a du potentiel, franchement. Si vous comparez par exemple à comment il s'appelle, Bus Simulator 21, je préfère The Bus que Bus Simulator 21. C'est plus réaliste. Je sais pas si c'est le terminus là, je pense pas. Ah merde, c'est... Ah non, c'est 50. Ah ouais, c'est le terminus. Donc je vais vous faire tout de suite la prochaine vidéo, tout de suite. Bah tout de suite, je vais couper et puis je vais faire ma prochaine vidéo tout de suite. Donc ça sera déjà fait comme c'est une petite ligne, je crois. Voilà. Tac. Donc là on est arrivé. On va pouvoir éteindre le... On va peut-être même pas éteindre le bus, ça sert à rien de l'éteindre. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Là par contre, les étoiles. La vidéo que j'ai fait... J'ai fait mardi, il n'y avait pas d'étoiles. Je sais pas pourquoi j'ai pas gagné d'étoiles. Donc on va terminer le trajet avec le trajet. Non, on va quitter. Donc voilà, cette vidéo terminée. C'était la présentation de la ligne 585. Donc je vous dis prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter mes vidéos. Suis bye bye, porte bien. Peace. Hey,